Coucou YouTube, ça va? Écoutez, ceci est une vidéo pas du tout prévue. Et pourquoi... Non, vraiment pas du tout. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas prévue? Parce qu'on a changé de sujet là, à l'instant, il y a 2 secondes. Et ouais. Exactement. En vrai, Cyril, je vais te demander, qu'est-ce que t'en penses d'ici chez le Gotha là? Franchement, ça tue. Après, je vous amènerai avec moi et on ira faire un tour. Tu leur donneras tes impressions un peu? Ouais, parce qu'il y a trop de choses à voir, c'est incroyable. Avant de parler de son équipe, tu sais quoi, je vais parler de la Chocor. Moi, c'est plutôt simple, tu vois. Didier, qui gère tout ce qui est YouTube, les overlays, tout ça et tout. Tatanus, c'est l'assistant, pour tous les problèmes PC, tout ça et tout. Tout ce qui est communication, Docteur Bébou, un peu du TikTok, de l'Instagram, du Twitter. Secondaire, pas trop le principal, un peu, mais pas trop. C'est moi le principal, j'ai besoin d'écrire de ma merde quotidienne. Ah, donc toutes les conneries, c'est 100% toi, quoi. Non, c'est tous les tweets qui font des stats. Ah, Manon, qui s'occupe de la comptabilité. Sans elle, ce serait un peu compliqué. Et Monsieur Cyril, qui est cuisinier. Pas que, parce que tu fais... On m'appelle les mille et une casquettes. Il peut filmer un vlog, passer la tondeuse, faire... C'est vrai. D'ailleurs, en parlant de tondeuse... Gros, on est en train de partir sur 50 sujets différents. Comme vous savez, il y a Counter-Strike. Mm-hmm. Donc, CS2 qui va sortir. And grenades. Je l'ai initié à CS, je lui ai montré toutes les vidéos historiques, les grandes compétitions. Ça fait un an qu'il est fan, qu'il traîne, il m'a défié. Non, tu m'as défié. Autant, quitte à être forcé dans la piscine, autant faire un petit défi. Moi j'ai 20 000 heures, c'est pas super équilibré. Donc je lui ai dit, vas-y, moi je dois mettre 10 rounds, toi tu dois en mettre 3. Peut-être pas bien entendu le truc, il en a mis que 2. J'en ai mis que 2. Et du coup, lui qui est marseillais, qui déteste le froid, il a dû aller dans la flotte à 14. Là. Descends tes couilles à l'intérieur, Cyril. Non, mais alors là, l'étape, elle va être dure. Regarde la trace que je vais élaborer pour ça. Mais qu'est-ce que tu fais, gros? C'est bon, là, non. Mais descends dans la piscine. C'est bon là! Tu peux sortir! Ah, tu descends, Cyril, tu descends! Bien joué, Cyril! C'est bon, sors, Cyril, sors, mon pauvre! Il y a même passé les couilles! J'ai mis 20 minutes pour rentrer! Il rampait sur les bords! Parce que bon, j'ai perdu un pari, mais mon côté égo a repris le dessus. Et j'ai voulu remettre avec un nouveau pari, un nouveau 1v1, mais pas sur Counter-Strike cette fois. Vous savez, il y a mon fils, il lui a offert une raquette de tennis. Je me prends une raquette 1v1 sur terre battue, Roland-Garros, et c'est lui qui perd. Il passe le rotofil dans tout le château. Parce que bon, on a un château quoi. Est-ce que c'est signe de la trentaine, un achat de rotofil? Mais bref. Est-ce que... Je peux transition. Ouais. Vous avez dit que je vous prendrai et vous amènerai faire un tour de la Gotha-Kakor. Alors c'est parti. Petit salon, le petit bureau. Salut les gars, vous faites quoi ici? On est monteur du coup. Ok. Tous les vlogs que vous voyez sur Gotaga, tout ça, je garde vraiment que les bons moments. Moi je gère les best-of de la chaîne Gotaga. Tout voilà. Ça c'est vous derrière. Voilà, c'est ça. C'est incroyable, on est regardé de vos vidéos. Hein. Encore des bureaux, le bureau du patron, ses petits maillots. Là on descend, là on arrive ici. Voilà. Yo, du coup c'est Daryl, streamer pour BDS, principalement sur Rainbow Six. Je suis un peu en parallèle à ça, l'équipe R6 professionnelle. Et t'es sûr que c'était ça? Et professionnel, il a dit. La Michelot. Je t'ai commandé un poulet croustillant. Un poulet croustillant? Ouais, au caramélisé avec du riz. Ok, donc c'est ça ce que tu me proposes. Moi je te fais à manger tous les jours et toi tu me proposes poulet caramélisé. Et du riz, tu peux tout choisir et le mec il ferme sa gueule. Bon, dis-moi, parce qu'avant que ce connard... Ouais, streamer pour BDS Content Creator, je suis la team R6 qui est professionnelle, qui est une des meilleures teams d'Europe. Tu vas leur montrer à tous. Franchement, j'ai jamais été autant stressé de ma vie. Je vais me chier dessus, je vais faire que de la merde. Mais non, faut pas. J'espère qu'on va rigoler. Ouais, j'espère aussi. Ça va? Ça va, Sylvia? Tu veux dire quelque chose pour le vlog à Yann? On vous fait des gros bisous, j'espère que vous allez bien. Ça va, toi? Moi, ça va toujours. C'est vrai? Moi, tant que je fais des petits plats à Yann, il est content. Hop. Oh, je me fais filmer par Sylvia si ça c'est pas incroyable. Première fois chez Gotaga, je suis tout content. T'as vu comment ils sont trop beaux les décors? Franchement, ils se gavent, c'est incroyable. C'est lourd, hein. C'est incroyable. En plus, je regarde un petit peu les vlogs de temps en temps que tu fais.
Je suis un ancien des forces spéciales françaises. Je suis également un fan de jeux vidéo. Bon, pour ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de casu, hein, je joue occasionnellement. Et là, je viens de découvrir Rainbow Six Siege. Et franchement, ce que je vais y rejouer, hein, parce que c'est vraiment sympa. Moi, j'aime le petit côté. Bon, ça sera jamais réaliste un jeu vidéo, tu vois, mais bien sûr. Il y a quand même des petites choses réalistes qu'on retrouve dans le jeu et ça fait du sens pour moi, qui vient plutôt du milieu ou professionnel des armes. Ça permet de tirer mon épingle du jeu quand je clique pas aussi vite que le mec d'en face. J'essaie d'être placé au bon endroit au bon moment. Ok, bah c'est cool, c'est bon à savoir. C'est voilà. On rejoue un peu. Au niveau des modes de jeu, on va jouer en unrank les deux premières fois. La troisième fois, on verra ce que fait. Après, on a prévu une épreuve, repérage au drone volant. Vous êtes en bas, le drone il est en haut. Il y a une caméra sur le drone. Vous conduisez du coup le drone et vous devez repérer des mots qui sont placés dans l'open space un peu à droite à gauche. Une ou deux minutes par personne. Ok, une ou deux minutes pour trouver le maximum de mots. Ça va? Ouais, je suis alors, tu fais quoi de beau? Je suis en train de paramétrer ma 106. Ok. Je suis en train de lâcher des sprays avec une G106. Ouais, okay, chose que je fais mieux que toi en l'espace de 2 semaines, alors que ça fait 8 ans que tu es sur le jeu. Ça le chien. Je sais pas qui a fait le plan de table, mais. Il est foutu mon gars. Il y a Gotha à côté. Lui il va être en tryhard. J'aurais que toi à faire chier. Mais frérot, j'ai vu ton nom sous le poste de Gotha. Tout le monde qui t'a envoisé. Gotha, yo, Mikalo. Ouais, mais parce que Mikalo, j'ai jamais vu Mikalo. Mais j'ai pas fait de projet. Je suis un petit streamer. Un petit streamer, t'es là. Hein. Ouais, ça va. Et du coup, tu dis merci qui? Jackie et Mich. Ma G903. Ah, on t'a amené un café? Ouais. Est-ce qu'il y a un Cyril qui t'a amené un café ici? Et ouais, j'ai trouvé mon Cyril ici. Ok, d'accord. Donc t'as même un Cyril ici, ok. Il y a des Cyrils partout. Viens ou quoi? Je me suis un peu emporté. Ouais, c'est bon mec. Salut, Cyril. Cyril. C'est bon mec, je peux jouer assis. Si j'arrive à lâcher un spray et que tous mes tirs vont dans le rond, c'est que je peux me lever aller manger. Ok, vas-y. Bon appétit. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci beaucoup. Bisous le vlog. Et Cyril, je te propose une séquence improvisée, comme cette vidéo. Je dois boire. Bonne soirée crêpe avec notre chat. Je suis désolé. On trouve de quoi sécher. Attends. Les gars, attends. Là, tiens. Et heureusement, on s'est mis sur un bureau, on n'est pas allé ailleurs. Si je te dis Twitch, tu me dis quoi, Cyril? Twitch, streamer. C'est vrai. Gaming. PC. Je pense qu'on essaie de faire un. Ouais, je crois, on fait un jeu là où ça se passe comment? Parce que moi, là, je suis là en mode. C'est le premier mot que j'ai répété. Tu m'as dit Twitch, bam, direct, tu vois. On fait un jeu, on fait quoi? C'était un jeu. C'est pour con. J'explique trop mal les choses, c'était tes deux. Je sais même pas où est-ce qu'on voulait partir. Ça va faire 5 jours que la frag movie est sortie. Ton retour après 5 jours de frag movie, après un week-end très mouvementé, parce qu'on a eu un week-end très mouvementé. Ça me donne chaud, la frag movie. C'était sûr que c'est pas moi plutôt. Du coup, les ultras, la Fragmovie, déjà, merci beaucoup pour tous les retours de malades qu'il y a eu. J'en suis immensément heureux. Sur Twitter, pour vous dire, on a dépassé les 1 600 000 vues de la Fragmovie. Donc, complètement un truc de malade. Sur Instagram, plus de 400 000. Donc, ça fait qu'en l'espace de même pas une semaine, il y a 2 millions de personnes qui ont vu une partie de la Fragmovie. Et sur YouTube, je sais pas pourquoi, je sais pas pour quelle raison, il y a un nerf. On a beau avoir des taux d'engagement qui sont géniaux, des vidéos qui sont travaillées de fou, mais on n'est pas sur la page d'accueil, et ce qui fait que les vidéos ont du mal à décoller à plus de 100-150K. Je crois que la Fragmovie, au jour d'aujourd'hui, elle est à 80 000 vues ou 90 000 vues sur YouTube. Si tu veux voir la vidéo, le lien est cliquable ou disponible dans le commentaire épinglé. Je trouve ça dingue qu'il y ait on va dire, si peu d'interactions sur YouTube comparé à Twitter, Instagram, où on a été beaucoup plus light, cool. Quand je repense à toutes ces soirée où DJ nous envoyait une partie et nous on était tellement concentrés dedans et ça se coupait net, c'était tout noir et nous on était là, on avait faim, on en voulait encore. Mais Didier a fait un travail fantastique en général. Putain, la vidéo les gars. C'est pas grave, c'est rien, on s'en fout, c'est à l'arrache, bon, tranquille. Dieu merci, on a un monteur. Hein. Un monteur. L'autre merde, un monteur. Il utilise que des IA, s'il te plaît.
Regarde-moi ces deux gogoles. Tiens, bouffez votre karma. C'est il envoie une vidéo, il dit ouais, fais ça en mieux s'il te plaît. Des fois il dit ouais, j'ai fait ça, tant de travail pour une miniature pour machin. Chat GPT. Mais oui, pour n'importe quelle IA, on demande un truc, elle le fait, elle règle pas de problème. Et t'as pas pour aussi cher que lui, t'as le prix qui coûte le mec. Moi je pense qu'il est marseillais. Non, il est lillois. Cette vidéo, juste pour info, pour ceux qui ont raté le début, j'en sais rien, elle était pas du tout organisée, juste on s'est dit, on va parler. La prochaine fois, peut-être que vous pourrez nous suggérer n'importe quel sujet, n'importe quoi. Est-ce que tu veux leur parler un petit peu qu'on aimerait bien développer les vlogs Showcorp? Pourquoi pas organiser des sorties tous les deux mois, un week-end, par faire du canyoning, du paintball, une sortie dans le désert, des activités qui sont cool, qui faire des trucs ensemble et en même temps vous les vloguer. Je pense que c'est une idée qui pourrait vous plaire. On voulait faire un dernier truc. Si vous êtes chaud, tu vois, de ce projet, parce que vous explosez les likes, vous explosez tous les commentaires, si Cyril perd au ping-pong là tout de suite contre moi, il fera cette première partie de ce vlog là-bas en tutu de danseuse. Non, ça marche pas comme ça. Frérot, en ce moment, mec, c'est compliqué. Gros, il y a les gilets jaunes. Ouais, le maillot de Borat. Gros, avec mes grosses boules, elles vont ça va couler au milieu. La teub, elle va remonter jusqu'au nombril, elle va être aplatie. Le maillot de Borat. Ouais, en chien, j'en sais rien. Ou toi, tu débarques en clébard. Non. Très bien. Tu savais que vous étiez déjà là. Après, on est en train de faire un vlog. Vous êtes en live? Non, un vlog. Ah, j'allais dire waouh. T'inquiète. Regardez, on dirait que des coulisses. On dirait que des coulisses, c'est là que ça se passe. Avec une montagne, on avance très lentement. Justement, avec la montagne, j'ai un bouclier d'un certain poids. Et le dernier invité, Shou Hei-Chuan, c'est ça? Hei-Chuan. Zola, il est martyrisé. Wow. Ouais, t'as pas de camo en plus. Ouais. Bon, ça m'empêche pas de cliquer droit. Ah, on l'a vu. On a d'ailleurs, regarde, vu qu'il est dans ce axe-là, il peut justement. Mais je tente, il peut tout ergonomique pour aller faire super trouver des angles que nous on n'a pas.